Bonjour, moi c'est Virginie, j'ai 39 ans, je suis psychologue en libéral dans la région d'Annecy et bah, pareil, les chevaux sont ma passion depuis longtemps et je voulais me reconnecter à cette passion. J'ai d'abord fait des formations en médiation équine et puis j'ai commencé à avoir des chevaux à moi et je voulais en connaître, enfin en apprendre plus pour pouvoir leur apporter déjà un milieu de vie sain et dans le bien-être. Et puis du coup, c'est une amie qui m'a parlé d'Equitalliance, parce qu'on parlait justement énergétique. Et donc j'ai été attirée, je l'ai contactée. Et puis voilà, le fait que le programme soit vraiment riche, répondait vraiment à mes attentes, entre le renforcement positif, la connexion, le fait de pouvoir déjà s'occuper du bien-être du cheval et puis d'avoir les outils pour expliquer aussi aux cavaliers comment faire, c'est ça qui m'a intéressée. Et donc, qu'est-ce que vous en retenez déjà de ces 7 mois que vous avez passés? Est-ce que ça dure sur une période d'un an? C'est intense, Ouais. c'est très complet, c'est bouleversant personnellement. Ouais, c'est ce que j'ai dit, un Ouais. développement personnel incroyable. On se redécouvre, j'ai envie de dire. Et même de on se redécouvre soi-même et on se redécouvre chacune aussi. On voit vraiment l'évolution de tout le monde. C'est vraiment génial. La communication animale aussi, on l'a pas encore abordé, mais c'est vraiment un bout du cursus qui bouleverse toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur nous et notre lien aux animaux. C'est une vraie expérience de vie, c'est ça. Je pense qu'il faut être prêt à opérer un vrai changement dans notre approche de l'équitation et dans notre approche du cheval en général. Parce Donc, que vous avez découvert, vous avez cassé de grandes croyances. ah oui, ah oui. notamment avec la partie éthologique, enfin éthologie scientifique, ouais, ça remet les points sur les i, en fait. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ça? C'est les résultats derrière les ateliers, parce que vous avez de la théorie, vous avez aussi de la pratique. Aujourd'hui, on a une croyance, on vient avec cette croyance. Qu'est-ce qui vous a démonté ces croyances? C'est beaucoup la théorie au début, en tout cas pour Ouais. moi. Et puis après, c'est sûr que le fait d'expérimenter, et déjà sur les chevaux, des structures dans lesquelles on est reçu, et sur nos propres chevaux, et de voir les résultats au fur et à mesure de l'avancée de la formation, bah, ça nous conforte, tout simplement.